Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, je fais une vidéo tag. C'est le tag de Nono et ses amis, je crois. Puis j'ai été taguée par Isa de Isaor. Je vais laisser un lien à son chaîne YouTube dans la description en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir tagué. Mais il y en a une question que je suis pas trop fou de le faire, mais garde. J'ai une première question, fait que tant que je réponds aux questions, je vais colorier dans ma Fantasy and Fairy Tale Characters, Grayscale Coloring Book de Christine Caron. Et je suis en train de faire le Pirate Byrel. Là, j'ai juste les couleurs rouges de choisir pour le chandail. Quand il va m'en manquer d'autres choses, je vais vous mettre sur pause, puis je vais aller chercher pour faire son manteau, genre. Fait que là, les couleurs que je prends, c'est white. Ça, c'est pour mettre sur le plus brillant. Dark red, 225. Ça, c'était white, 101, de mes polychromos. Le pink carmine, 127. Le Alzarian Crimson, 226. Et le Deep Square Red, 219. Fait que ça, c'est tout pour ça. Ma petite affaire pour mon doigt. Power Mel. Et on y va avec la première question. Si tu devais garder un seul gamme de crayons de couleur, quelle serait cette gamme et pourquoi? Avant, ça aurait été une réponse facile, celle-là, parce que je t'aurais dit tout de suite, les Black Widows, c'était ma gamme préférée. Mais là, je ne penserais pas que je vais dire celle-là. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que, premièrement, quand il manque une couleur, tu es obligé d'acheter un boîtier au complet. Et, deuxièmement, je suis tombé en amour par-dessus la tête avec mes polychromos. Fait que je pense que je garderai mes polychromos. Et une raison, c'est parce que tu peux les acheter à l'unité. Deux, ça se vide pas à vue d'œil, il dure quand même assez longtemps. Et j'adore comment que ça s'applique. Mais j'avoue que la brèche d'erreur aussi aurait pu être une réponse. Bien, mais non, je reste avec les polychromos. Là, ensuite, numéro 2. Quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à base de cire et à base de l'huile? Mais à base de l'huile, c'est pas les polychromos. Puis à base de cire, mais c'est les Black Widow. C'est même pas. J'ai même pas besoin de penser. C'est mes deux gammes préférées. Que si je peux garder plusieurs gammes en marche tout le temps, j'ai. Ces deux-là, c'est mes deux premières. Numéro 3. Quelles sont les gammes de couleurs qui ne sont pas faites pour vous? Moi, je trouve que les Prismacolor, pour moi, ils vident trop vite. Je trouve que je passe mon temps à aller m'en acheter des rechanges, puis c'est dur de les avoir dans le ville que je reste. Il n'y a pas de magasin qui les vend à l'unité. Puis honnêtement, c'est des crayons fragiles, fait que si tu commandes à l'unité, je vais être honnête, j'ai peur qu'il soit cassé ou quelque chose quand il arrive. Fait que j'ai décidé de les rayer de ma collection. J'en ai même plus. Pas que ce ne sont pas des bons crayons. Il y a des effets que tu peux faire avec que tu peux pas faire avec d'autres. Mais pour moi, ça, c'est mon choix. Fait que là, celle-là, il est faite. Celle-là, il est faite. Celle-là. Numéro 4. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Moi, ce serait mes vitraux tombants. Puis, pourquoi il est si précieux, c'est que mon père me l'a acheté l'année que mon mère est décédée. J'avais commencé à colorier cette année-là, puis c'était le premier Noël que je passais sans elle. Puis c'est un livre que, c'était avant que je connaissais cette Lyrica puis tout, fait que pour moi, c'était un livre que je pensais jamais de l'avoir. Puis, pour moi, c'est mon précieux. Là. Si quelque chose arrive à ce livre-là,
J'aurais dévisté. C'est une valeur sentimentale, tu sais, vraiment. C'est sinon, j'ai aussi mon Clara Markova qui est quand même assez précieux. C'est des livres durs à avoir. Puis je voudrais le garder super intact, tu sais. Mais il tient pareil que c'est pas aussi précieux que mon vitraux à cause de la valeur sentimentale. Numéro 5. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre pour peur de gâcher ton coloriage? Ouf. Ça, oui, ça m'arrive tout le temps. Il y a full de dessins que je voudrais faire, puis je recule face à ça. J'ai assez de travailler dessus. Parce que, tu sais, ça donne rien d'avoir un livre que tu veux pas colorier certaines images. Comme exemple, dans Fragile Worlds de Kirby Razanes, t'as le léopard dans l'eau. Puis celle-là, mais j'hésite à le colorier parce que je veux pas que il soit gâché ou gaffé. Fait que là, je le fais pas. Puis pourtant, c'est une image que j'adore. Puis que je suis sûr que je vais l'adorer, mais qui va être faite en couleur. Mais j'ai tellement peur de pas le faire, pas le rendre justice que je recule devant. C'est la même chose avec certains livres de mythographiques. C'est pareil. J'hésite gros à faire certaines images à cause de ça. Mais si je vais entraîner de m'améliorer à cette situation-là. Numéro 6. On parle toujours du livre qui t'a fait le plus peur. Quel est celui qui t'a fait le moins peur? Le livre qui me fait le moins peur. Bonne question. Ben, si on parle des mandalas, c'est sûr, c'est tous mes livres de mandalas, ils me font aucunement peur, là, mais je vais essayer de penser à un livre au dessin. Un livre que je prends. Quand j'ai pas peur de colorier dedans. Bonne question. Et je savais pas si ça serait des grosses questions pensées et dures de même. Je pense à ma collection, puis j'essaie de penser laquelle. Peut-être Marie a trollé, Twilight Garden ou Nightfall, parce que c'est pas mes livres préférés. Ils sont belles les images. J'aime bien colorier dedans quand j'ai envie, mais à part de ça, c'est pas mes livres préférés. Faut que si je gaffe ou je. Tu sais, je gâche une photo, mais. C'est. Ça me dérange moins, là, tu sais. Mais là, je te mets sur pause. Je vais choisir mes couleurs pour mon manteau, puis je te reviens. Mais voilà, de retour. Caché face, ok. J'ai choisi pour son manteau, je vais prendre le. Toujours pour les crémeuses, Walnut Brown 177. Excusez. Burnt Sienna 283. Et le Raw Umber 180. Fait que ça va être pour son manteau. Fait que là, on va continuer notre petit questionnaire. 7. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Attends, je vais être obligé d'y aller chercher un. J'avais pas pensé à ça, hein? Mais voilà. Je vais prendre Mythic World, c'est le plus proche, mais. C'est pas compliqué. Peu importe qu'est-ce que je fais dans ce livre-là, j'adore. C'est comme mon passé, j'ai fait. Oups! J'ai fait ce colo-là. Puis à chaque fois que je fais un colo dans un livre de Kirby Razanes, je m'amuse. J'adore ça. Fait que pour moi, c'est un colo qui regroupe ça. Je sais pas si j'ai fait correct ou non comme question, mais on va aller comme oui. Numéro 8. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantasy, animaux, etc. Ah, mais moi, celle-là, c'est pas trop compliqué.
Tout ce qui est fantasy, j'adore ça. J'aime vampire, dragon, tout ce que tu peux imaginer, là. C'est ça que j'aime. Pas que j'aime pas faire des portraits pis tout, mais j'ai une préférence pour les affaires fantastiques. D'ailleurs, je cherche un livre de coloriage avec des dragons, mais plus réaliste que cartoon, là. Fait que si jamais t'en connais, gênez-vous pas de m'en parler. Numéro 9. Si tu devais caractériser ton style en trois mots, quel serait-il? Si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colores, effet color matériel? Ah, oh, mais. Moi, regarde, c'est pas compliqué. Black Widow à la brèche d'horreur, pour les grosses. Nomme une de ces crayons-là, puis c'est sûr que le monde va me connaître dans mon style-là. Couleur. Je dirais mauve, hein? C'est souvent mauve que je prends. Mais c'est ça. Pour moi, ce serait les trois types de crayons que je viens de nommer. Crayon aquarellable, là. À brèche d'horreur. Polychromos. Parce que je sais pas quoi d'autre mettre pour celle-là. Donne-nous ton combo qui tue. Honnêtement, je pense pas que j'ai un combo qui tue. Je pense j'ai pas vraiment un combo que je dirais c'est incontournable. À part de mon combo pot que je prends, mais je pense que tout le monde l'a fait. Puis ça, c'est comme que je viens de faire là. Puis ça paraît pas bien sur caméra, mais c'est ça. Puis moi, c'est les crayons. Je vais dire les numéros là. 132 beige red de polychromos, ça c'est le plus léger. Suivi de corail 131 et 130 sans mot. Puis ça, c'est les couleurs que je prends à cette heure pour mon pot tout le temps. Puis tant moi, c'est le plus beau pot que j'ai fait. Fait que ça serait ça. Oh, c'est bon, donc on rapproche la question que je veux pas finir répondre. Ça, c'est. ça risque d'être intéressant. Je sais, j'ai toujours misère à respirer, mais je veux la faire de la tête. Fait que, on va voir. Quelle est ton astuce coloriage préférée et peux-tu nous la montrer? Mais ça, j'avoue, c'est un nouveau astuce que j'ai appris. Puis ça vient de. C'est pas mon idée. Je l'ai vu sur Zazu en couleur. Puis, je vais t'avouer, là, ça c'est pas vraiment une de mes colos pour le moment, mais ça a changé la game là, quand on colore, là. C'est de faire une couche de fond avec les encres de stress. Puis après ça, tu vas dessus avec tes crayons. Puis je trouve que ça a changé le game. Je suis en train de ramasser plus en plus de couleurs. Je adorais faire ça. Puis je trouve que ça a donné une de mes plus belles colos que j'ai faites à date. Fait que ça serait ça mon astuce pour les grosses coloriages de faire ça. Numéro 12. Quelle est ta couleur préférée? Ah, oh, mais ça, c'est simple, c'est du mauve. Toutes les teintes de mauve, c'est mes affaires préférées, j'adore ça. Tu vas voir, c'est souvent dans mes colos, puis c'est à cause de ça. Numéro 13. Que fais-tu comme métier? Ah, oh, mais ça. C'est pas grand-chose. Je suis mère au foyer à un garçon qui est majeur, fait que d'enfant. Je fais à rien. Je suis à la maison. Je fais du ménage, je cuis des repas. C'est pas excitant, mais avec ma santé, c'est ce que je peux me permettre de faire. Fait que c'est ça. C'est même à la maison. 14. Quel loisir pratiques-tu? Ben là, ça a changé drastiquement ces dernières années. Avant, je faisais du ordinateur, ordinateur et encore du ordinateur. Je suis très limité mon temps d'ordinateur, mais c'est quand même une de mes grosses hobbies. Et que j'ai fait ça. J'avais essayé guitare électrique.
mais ça va pas bien. Je suis pas. Je m'amuse pas. Je faisais du diamond painting, mais là, je viens de découvrir que mes yeux, ça me permet plus. Fait que ça non plus. Fait que dans le fond, je colore. Je joue à l'ordi. Très peu, mais je joue. Et. Mais quoi d'autre? J'écoute des séries. Pas être excitant, mais c'est sur mes petites vies tranquilles que je mène. Oh non. Et voilà. Là, je te dis tout de suite, je suis sur la musique. Fait que tu vas comprendre pourquoi je te dis ça quand je lis la question. Numéro 15. Chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance hors Disney. Fait que là, j'ai une petite histoire à vous expliquer avant. Premièrement, ça va être un générique en anglais parce que moi, j'étais un enfant anglais qui vivait en campagne. On avait une poste. Tous les enfants du voisin viennent écouter TV chez nous, mais c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Tu pouvais pas choisir l'heure puis tout. Qu'est-ce qu'ils jouaient puis qu'est-ce qu'ils écoutaient. Fait que dans le fond, j'avais le choix entre les pierres à feu puis Scooby-Doo. Puis j'écoutais plus souvent Scooby-Doo, fait que je vais chanter un petit peu de celle-là. Très peu, parce que, comme je te dis, je chante mal en pas à peu près. Puis j'ai pas l'intention de vous rendre sourd aujourd'hui. Fait que, oui, j'aurais d'autres, je veux pas le faire, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai été tagué, puis si d'autres en ont fait, moi je suis capable aussi. J'espère juste que ça vous fait pas désabonner de ma chaîne. Mais tu m'entends chanter. OK. Fait que. On y va. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We've got a lot to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Puis c'est tout ce que je souviens. Je pourrais aller la faire jouer. Ah oui, ça dit We need help from you now. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, la fun est commencée. C'est mon tour d'en taguer des gens. Fait que c'est de valeur qu'on peut pas taguer le monde qui nous a tagué parce que nous faire chanter quand c'est pas notre force sur Internet, c'est pas le fun, hein? Ah. Tu t'échappes, belle Lisa. Je peux pas te retaguer. Fait que dans le fond, numéro 6, c'est taguer 3 personnes. Fait que là, moi, je vais taguer José Colorier. Tu dis tout le temps, tu vas nous faire épingler ton voix de casserole. Mais là, on va tout l'entendre. Si tu fais la tag, bien sûr, je vous ai déjà obligé, mais ça serait fun à le faire. Fait que José Colorier, je te tague. Je vais taguer Zazu en couleur. Juste parce qu'elle avait fait ça avec le Noël. Puis, j'aimerais savoir ses réponses de certaines de ces questions-là. Et qui d'autre? Je vais essayer. On va voir. Fun pigment, peut-être? Fait que je vous tague les trois. Je vais mettre des liens à leur chaîne en dessous. Puis, en tout cas, j'espère que tu vas le faire, les filles. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Mais si tu le fais, c'est sûr, je vais l'écouter. Tague-moi que je vois. Ou fais-moi les signes que tu l'as fait, dans le cas que je le vois pas. Puis, avec ça, je vais dire bye-bye à la prochaine vidéo. Puis, si t'as liké mon vidéo, s'il vous plaît, likez. Puis, si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. À la prochaine vidéo. Bye-bye.